Leur mode de fabrication, les pagaies sont faites dans un seul tenant, dans un massif de red cedar, qui est un bois américain très très léger, qui devient légèrement rouge, comme vous pouvez le constater. C'est un bois très léger, mais un petit peu tendre. Et donc, sur l'âme, le plan de joint de la pale, j'insère donc une latte de PVC, qui est un plastique très dur, et qui va renforcer énormément la pale, notamment de tous les chocs sur les cailloux, sur les bouts de bois, sur le bord du kayak. Et j'insère aussi donc une latte de PVC aussi en bout, qui est tenue par un champ de bois ici en chêne, et qui va permettre aussi donc d'avoir une très bonne résistance sur les cailloux au fond, et qui va aussi permettre d'avoir une très petite épaisseur au niveau de la pagaie. Ici, ça fait à peine 3 mm. Et donc la pagaie va bien plonger dans l'eau, et va bien se mouvoir dans l'eau. C'est vraiment très important pour avoir un très bon rendement et un très bon passage dans l'eau.